Mais bonjour Mehdi, bonjour Thomas, bonjour Rudy et bonjour Madame Uncleings. Alors aujourd'hui, je voudrais faire un peu de promo pour une activité culturelle qui réjouira les familles, musique. Après être passé par Charleroi pour son spectacle La Carolo, après s'être installé à Liège pour son spectacle Publifine, ami bruxellois, le cirque PS s'installe dans votre ville avec son nouveau spectacle, le SAMU Social. Venez découvrir ce spectacle exceptionnel, des jongleurs impressionnants, jonglant parfois avec plus de 6 mandats, des magiciens formidables, capables de faire disparaître l'argent public, et il ne réapparaît pas, mais c'est déjà impressionnant. Et bien sûr, la grande spécialité du cirque PS, des clowns, énormément de clowns. Pas de clowns blancs, non, personne n'est blanc dans la boutique. Mais c'est d'autant mieux, ça vous promet des heures de rire. Et pour ce nouveau spectacle, le monsieur déloyal sera Yvan Mayer. C'est aussi lui qui fait la voltige et qui sert de la barbe à papa à l'entracte pour arrondir ses fins de mois. Le cirque PS vous propose un spectacle rempli de poésie. Puisqu'Yvan Mayer a fini par démissionner d'un poste pour lequel il n'avait pas été élu. C'est pas un homme politique, c'est un tableau de Magritte, ceci n'est pas un bourgmestre. Et il y aura énormément de rire, puisqu'il sera question de la grande réflexion sur la moralisation de la vie politique initiée par le PS, et de la succession d'Yvan Mayer. Tout le monde se dit, voilà, il a perdu son travail, il va donc devoir aller frapper à la porte du SAMU Social pour demander de l'aide. Mais non, là arrive notre fakir, Karine Lalieu, hein, qui pourrait prendre la place du bourgmestre, et qui devrait donc quitter son poste à la Chambre des représentants, et qui est le suppléant, Yvan Mayer. Mais où vont-ils chercher tout ça? Et là, on pense qu'on a fini de rire et bim, le public est plié en quatre au moment où il annonce qu'il veut devenir échevin. Et on espère que cet échevin des finances. Mais où vont-ils chercher tout ça? Et enfin, il y aura de l'émotion. Déjà, quand notre funambule qui marche sur un fil, Madame Peretta, fera semblant de tomber. Et surtout, la salle retiendra son souffle pour le clou du spectacle. Yvan Mayer fera le lanceur de couteau et on mettra le SAMU Social sur une roue qui tourne. Pas d'inquiétude, s'il y a un accident, la victime sera bien défendue puisque l'avocat du SAMU Social n'est autre que le mari de la directrice du cirque. Mais où vont-ils chercher tout ça? Venez assister au spectacle, un spectacle qui a plu à tout le monde. En sortant, Elio Di Rupo était tellement ému qu'il a déclaré « Mon cœur saigne ». Raoul Edebo a adoré ce spectacle, il a dit « Continuez comme ça les camarades, on adore ». Et même François Fillon a déclaré « Quand je vois le cirque PS belge, j'ai presque envie de devenir de gauche ». A très vite sous notre chapiteau, venez en famille et laissez votre indécence à la maison, il y en a plein sur place. Voilà, profitez tous de ce spectacle parce que vous l'avez déjà payé. Merci Alex Vizorek, Laurette Uncleings, Alex Vizorek ne nous a pas fait rire. Non. Allez, l'interview. Ça ne m'étonne qu'à moitié.